Bonjour YouTube! Bonjour Clément de la VOD. Bienvenue, aujourd'hui on continue le Nuzlocke de Pokémon Rouge Feu. Objectif du jour, le manoir Pokémon, l'arène de Cramoisil avec Auguste, l'arène de Jadiel avec Giovanni et la route victoire si possible. On est ambitieux aujourd'hui. On s'accroche. On va essayer de tout faire. C'est YouTube, le site de streaming connu mondialement. Bonjour, bonjour YouTube. C'est une star, il y a des stars sur mon qui regardent mes streams. Salut Magani. Voilà. Abonne-toi, mets la cloche, mets un pouce en l'air et un commentaire, c'est bon pour le référencement. Même si tu dis juste prout dans les commentaires, ça compte. Et parle-en à tout le monde autour de toi. Bisous. Hop là. Chute la musique. Oui, le jeu. Pardon, hein, je rush un peu les intros parce que on a du pain sur la planche. Banger. Mes pouces sont actuellement en l'air, ce qui est compliqué pour taper dans le chat, mais c'est la vie que j'ai choisie. Excellente vie, excellent choix de vie. Non ! C'est bon. J'ai eu très peur. On est quand même à 24 heures hein, sur la partie. Oui, on a compris, on connaît. Ok. C'est avec cette équipe-là que tu parlais de faire la ligue ? Cette équipe de Bracassax. À quel niveau est notre cher Renesmé? Je vais peut-être mettre Renesmé à la place de la chiasse en vrai. Je vais me demander Ronflex a quel talent. On va voir. On va regarder. Non! Le vaccin empêche l'empoisonnement. C'est pas le mieux, je crois. Mais d'ailleurs, brocoli sert à rien, faut mettre le classe à la place. Ah. Ok. Bon, ben, merci brocoli. Oh, le nombre de types O dans ce jeu, c'est scandaleux. Bon, ça sera utile, ok. Et on va mettre Renesmé devant. Parce que elle a des niveaux à gagner. Au nombre de 5. Est-ce que j'ai des super bonbons? Mais 1. Ça va pas nous mener très très loin. Ok, le manoir Pokémon. Ça va être la merde, je déteste cet endroit. Ah putain. Attendez, je vais couper le stream et je vais le relancer. J'ai oublié de couper le VPN. A tout de suite. Évidemment, ça ne se relance pas. On est entre nous avec la VOD. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là, le chat? Est-ce que j'ai le chat avec moi? Oui. Super. Allez. Archi, sacré VPN. Bah ouais, mais en fait le truc c'est que il y a des pertes d'image à chaque fois parce que le VPN ralentit la connexion. Et là j'en ai pas besoin. Je ne suis pas en train de télécharger illégalement des choses. Allez, un petit requiem ? Non. Donc quand on n'est pas là, le chat est toujours là en tout cas. Ah, j'ai eu mon petit moment de privé avec le avec YouTube, avec la VOD. Vous ne saurez pas ce qu'on s'est dit, mais il faudra venir voir la VOD pour savoir. La meuf qui vend ses VOD comme ça.
Du coup, sur mon appli, ça veut dire que je suis déconnecté. Eh, nique sa mère. Ouais, ouais, purée de pois, ouais. Moi, je suis renesmé, ok. Je vieillis de manière accélérée. Jusqu'à avoir l'âge sexy idéal. Après quoi, je... Oh putain de merde. Non ! J'ai crié, je pense que tous les voisins ont entendu. Grave, ça fait même pas 7 minutes qu'on est là. Teste ma vie. En plus, il n'y a aucune XP qui est gagnée. C'est vraiment super. Non, non, j'ai pas envie de me battre encore. En plus, on me narguait là. Oh, ah, j'ai envie d'arrêter. Ah, oh, comment ça me met en colère. C'est tellement injuste. J'ai pas le choix, il va falloir que je chope laser glace au casino. Elle a passé 30 secondes dans l'équipe. Qui je mets à la place? Non, t'es niveau 5. Envie de canner. J'avais oublié son nom. Bon, on va mettre cheval, hein, c'est le plus balèze. Qui pourra gérer un peu l'arène. Je vais essayer quand même de mettre des types hauts histoire de mettre un max de chance de mon côté, quoi. On a de quoi avoir trois équipes quasi complètes rien qu'avec la boîte des morts. Merci. Merci d'enfoncer le clou. Ah, puis en plus, ça va, ce serait des équipes bien et variées, hein. Il y a tous mes atouts dans cette boîte de merde. Putain, je savais que j'ai testé le manoir Pokémon, mais alors là. T'as eu du mal à... Ah bah un Keltika t'as raté un petit... Il y a eu un petit problème. Renesmee est morte. On a perdu Renesmee. Contre une destruction d'un Smogogo alors que j'étais en train de l'atomiser. J'ai très mal dans mon petit cœur actuellement. Putain, ça vient... Ouais, t'as raison, ça vient seulement de me dire que j'étais en live sur mon appli. C'est pas le pire que tu pouvais perdre? Ah bon? Tu veux dire que j'ai encore plus à perdre? Non, mais non, non! Ne fais pas le coup de la flûte impossible. Du coup, c'est qui le pire que je peux perdre? Histoire de me préparer un peu psychologiquement à perdre ce personnage-là. Parce que ça va sans doute arriver, hein, vu mon talent. Comment je m'en veux? Comment je suis énervé? Putain, 6 minutes! Et je perds un de mes meilleurs Pokémon.
Plesiator tank, Léviator ronflex, ok. Perdre la chiasse ou verge, c'est perdre le mental. Ouais. Je vais donner... Non, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui! Je vais donner surf à cheval. Histoire qu'il serve à quelque chose. Surf, c'est jamais trop... Si on perd verge, ça va être la débandade. J'ai hâte de plus bander, mais c'est un autre sujet. J'aurais dû acheter des repousses. Il va pas me laisser fuir là. Non. Je veux plus combattre des Smogogo. Pitié. Je les déteste. Ouais, je vais essayer la glace au casino, bah, on va être obligé de faire un crochet, hein. Mais en même temps, enfin... Laserglas, enfin... Contre quoi? Contre les Dracolos? Les Dracolos, ils ont Fatal Foudre, ils vont me niquer mon Tortank, en fait. Même ça, c'est sans espoir, je trouve. Enfin, je sais pas, je vois vraiment pas comment je peux gagner. Je vois vraiment pas comment je peux réussir à battre la Ligue. J'ai aucune chance. Je suis bête, j'aurais pu mettre une hyper potion. Pour endormir le Dracolos avec un poudre de douche lingos. Je suis pas sûr. Ça marche jamais de toute façon ces trucs là. Y'a pas Fatal Foudre, aucun des trois? Ah non, il en a qu'un seul, c'est vrai. Ouais, mais les Dracos. Les Dracos ils ont pas? Oui, non mais oui, je pense à la 2G forcément, mais son, du coup, ouais, il a un seul Dracolos et deux Dracos, et aucun de ces trucs-là, ils ont... Ok, jusqu'à j'éclaire, bon. Pourquoi j'ai envoyé ça? Peter est en réalité le plus facile, pas super. Non mais de toute façon, je sais que Olga, ça va être un enfer. C'est toujours un enfer, Olga. Agatha, ça peut être très chiant. J'ai jamais vu ce sprite de Smogo vu de derrière, le visage fait bizarre, c'est vrai. Ah, Agatha, c'est chiant. Olga, tu dois aller chercher Casse-Brique à Céladopol. Ok. C'est fort contre les Tiboulas, le type combat. Arrêtez les combats de merde! Ah, merci de me narguer en plus. Petit combat, oui, tout le temps que tu la prends et il prend zéro dégâts des Pokémon de Olga. Ok. Goutouno.
Oh, nique sa mère. Ce sera j'ai pour rien, là. Comment j'aime pas cet endroit, je le trouve tellement relou. Faut absolument miser sur l'entraînement des autres Pokémon. Garde cheval pour le sacrifice. Salut Karatank Mackenzie. Pardon, je croyais que t'étais en train de faire une annonce ici en disant que j'avais un appel important à passer. J'espère que ça va. Nous, ça va moyen. On vient de perdre un ami. Ouais, je vais enlever cheval de devant. On va mettre Big Boy. On a perdu Renesmee. On a perdu Renesmee au bout de 6 minutes et demie de stream. Contre un Smogogo qui a fait destruction. Si ton équipe est pas niveau 50, ça passe pas, je pense. Ça va être compliqué. On va grinder un peu. Oh, et après il y aura le combat contre Blue aussi, juste avant la route victoire, là quand on aura battu Giovanni. Encore un Smogogo de mort, Remember Didier, ouais, c'est vrai. Vraiment, avec les Nidoran, c'est mes pires ennemis. Remembrons Didier, remettons-lui ses membres. Un repos français qu'on flexe lent, donc il prendra toujours un coup avant de le faire. Ouais. C'est pour ça que je l'ai fait à 40 points de vie. Non ! T'abuses mec, tu t'es réveillé après avoir pris le coup. C'est dégueulasse. Ah mais attends, on parlait d'endormir un Pokémon de la Ligue tout à l'heure, mais on peut l'endormir avec Baillement. Je sais pas comment on peut passer un bon moment dans ce manoir. Très bonne question. Non plus. Ça me semble impossible. Ah, la musique est atroce.
bouton secret. Appuyez dessus. Non. Pas vraiment. Tu ne le ferais pas. Moi, il y a 30 secondes. Ouais, des repousses max, ouais. J'hésite vraiment à aller acheter des repousses. Hein. Non, mais je suis... Il te baie. C'est un enfer. Interdit en Nuzlocke les repousses, j'en sais rien. Moi j'ai jamais vu cette règle là et elle ne fait pas partie des règles que j'ai établies en début de partie, donc on va dire que je me l'interdis pas, mais ça c'est un bon smogo, il meurt comme un caca. Je me l'interdis pas, mais de toute façon j'en aurais jamais assez. Et ouais, cette chemise ça va très bien. Merci beaucoup, merci, j'ai enfin pu la porter, il y a enfin plus les traces de sang dessus. J'ai réussi à la laver. Je l'ai lavé 3 fois. Moi ? Mais... Je suis complètement paumé. Trace de sang. T'étais peut-être pas là hier quand j'en ai parlé. En gros, hier, j'ai fait une prise de sang pour savoir si j'avais le sida. Pour mon opération. On voit pas, on voit déjà plus. Mais je portais cette chemise hier matin. Et en fait, le temps de rentrer chez moi, c'est-à-dire 5 minutes, j'avais imbibé toute la manche là, de sang. Comme elle est roulée, bah, c'était imbibé en fait là, là, et au poignet. Et du coup, j'ai dû laver 3 fois de suite cette putain de chemise. Si, j'avais un pansement, mais ça avait suinté. Le pansement était gorgé de sang et d'alcool, et le sang et l'alcool étaient sur la manche. Donc voilà. Le pansement, un bout de sparadrap avec un coton, quoi. Mais comme il y a toujours. Mais ouais, du coup j'avais. C'était horrible, j'avais une petite trace de sang avec une auréole autour un peu foncée de l'alcool. Gore, non, ça va. En vrai, ça va, hein, c'était pas. C'était pas une hémorragie non plus, faut pas déconner, mais. Mais bon, un peu chiant, quoi. Sur une chemise blanche toute neuve que j'avais portée une seule fois avant, bon. Un peu saoulé. C'est ma maman qui me l'a offerte. Voilà. Hein. Mais j'ai un très bon détachant allemand dans ma salle de bain qui a bien fait le taf. Que ma maman m'avait donné il y a des années quand je suis venu m'installer à Paris. Donc en 2015. Et il marche toujours. Est-ce qu'on peut rater ronflement quand on dort? Est-ce qu'on peut rater l'attaque? Putain, Keltika, depuis que tu m'as appris que repos ça dure toujours 2 tours, je suis saucé. Non, mon putain! Les interrupteurs ouvrent et ferment alternativement les portes. D'accord, bro. Je connais jamais le chemin, il y a plein d'interrupteurs, c'est chiant. Nope. Je me casse. Rap. Rapport. Il y avait de la reverb. Rapport. 10 juillet. Le Pokémon a été baptisé Mew. D'accord. Simplement une précision de 100, mais du coup il est affecté par les baisses de précision. Ok. Mais le vent, mais quel scandale!
Il y a un panneau de signalisation devant mon immeuble qui menace de s'arracher. Baptiser comment avec de la poké au bénite? Oui. Exactement. Par un poké prêtre. Un soporifique. Vraiment, le cri de Ronflex me fait trop rire. Oh! Avec de l'eau de verge, sans doute. Eh oui. Eh oui, eh oui. Qu'est fourni l'eau. Le prêtre se purifie, je l'aurais pas osé. Écoute. C'est celui qui a le plus de profil, hein. T'as préféré le quoi? Le prêtre Monsieur Mime? Ça marche aussi, hein. Merci, rends votre commentaire. Ce matin, j'étais dehors, j'étais complètement décoiffé par le vent. Oh, mais bordel! On entend le vent siffler dans le micro. Eh, j'ai peur, moi. Hein. Ok, Big Boy niveau 36, on va changer de Pokémon. On va varier un peu. En même temps, c'est le plus bas, mais il a bientôt plus de plaquage. Zinc. Il y a du vent comme ça partout parce que chez moi, c'est énervé aussi. Ben, il y a moyen. Hein. Oh, je vous ai pas dit. Cette nuit, donc, j'ai fait un cauchemar. Peu importe le contenu du cauchemar, tu vois. Mais juste, je me suis réveillé. J'étais allongé sur le dos. J'avais le torse bombé, genre décollé du matelas, mais la tête quand même posée. La bouche grande ouverte, et je ne respirais pas. Je me suis réveillé comme ça. Moitié paralysie du sommeil, moitié apnée du sommeil. J'avais l'air d'être possédé, je pense. En plus, du coup, comme je pense que j'avais la bouche ouverte depuis un petit moment, c'était tout sec à l'intérieur, c'était horrible. Et donc je me suis réveillé en cet état-là. Je me suis calmé un peu, j'avais très peur en plus. Juste après un cauchemar, plus une paralysie du sommeil, donc j'ai vu mon démon. J'ai vu mon démon de la paralysie du sommeil cette nuit. J'ai passé votre bonjour. Et voilà, donc j'étais en mode trouille. Et puis je redescends. J'ai enlevé mes bouchons d'oreilles, mes boules caisses. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte qu'il pleut, genre très très fort. Et déjà, hier, je crois, ou avant-hier, il y a eu beaucoup de pluie. Oui, mais ton démon, il était au bout de la nuit, hein. Il m'y a entraîné, en tout cas. Allez. J'ai jamais vu le mien, il me fait comme crier dessus, là. Et donc, j'entendais la pluie très très fort. Et je regarde l'heure, il est minuit et demi, une heure. Et du coup, en essayant de me rendormir, je cogite, tu vois. Je cogite et cogito, du latin cogito. Et je me dis à un moment, je passe en mode full pessimisme, full complotiste quasiment. Et je me dis, oh là là, mais c'était tellement sec dernièrement, avec toute cette pluie, il va forcément y avoir des inondations. Et genre, j'avais sincèrement peur qu'il y ait des inondations en France. Pas juste chez moi, en France, de manière générale. Voilà, j'avais cette peur à 1h du matin, cette nuit. Et puis j'ai fini par m'endormir. Normalement, j'étais en PLS dans le lit en train de faire oh, « Mais il va y avoir des inondations. » Et rétrospectivement, ça me fait beaucoup rire. J'ai raconté ça à Zoé ce matin, elle m'a appelé Vindelia. Rapport, 5 juillet, jungle X.
un nouveau type de Pokémon a été découvert. Ah, et donc c'était avant. Perso, la rivière juste en face de la maison était pas ultra rassurante. Ah bah... Je me doute. Tu vois, je l'ai senti. Bon, j'espère que tout va bien quand même. Ouais, je l'ai fait. Ah putain, j'ai pas bien appuyé. Ah mais je peux plus laisser Ronflex là. J'ai plus plaquage. Alors je vais faire bâillement. Histoire de spammer les fuites. Pour qu'il me laisse un peu tranquille. Bon, ça va marcher tout de suite. Ouais ouais, je vais mettre verge. De toute façon, je vais essayer de monter un peu tout le monde, hein, mais... Ouais, c'est les plus durs, les plus sûrs avec son gogo, c'est sûr. Comment je... Et cet endroit, cette putain de maison, de mes couilles là. Mais je m'insupporte. L'aviateur passe aussi, mais pour l'instant il a toujours du mal avec ses attaques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'on l'optimise un peu. Il apprend les trucs bien prochainement ou pas hein? De lui-même. Nixama. De lui-même, Hydrocanon qui sera mieux que rien sans cascade. Et Danse Draco. Putain, la confusion a joué en ma faveur pour une fois. Rapport, 6 février. Mew et papa? Ou maman. Le petit a été baptisé Mew 2. Ouais, c'est un ratata, je connais. Tu dans la 8ème arène, tu pourrais donner séisme. Ouh, à la chiasse. Il apprend séisme. Putain. Noise. J'aurais dû faire surf au début. Je
Let's go, niveau 40. Ça serait très bien sur Agatha si tous ces Pokémon n'avaient pas lévitation. Elle a pas que des ectoplasmas en plus. Vraiment quelle idée deux ectoplasmas électrons. Quelle idée de d'avoir une membre du conseil des quatre en 1G spécialisé en type spectre alors qu'il y a littéralement trois Pokémon de type spectre tous de la même famille. C'est idiot. C'est débile. Logique si on compte que c'est le type le plus puissant en 1G. Oui, certes. Mais c'est bizarre. Dans ce cas-là, il fallait en mettre plus dans la 1G, quoi. On dirait une contrainte que eux-mêmes n'ont pas su, qu'ils se sont fixés eux-mêmes et qu'ils n'ont pas su surmonter, quoi. C'est bizarre, je trouve. Et pour plus de plaisir, elle est dans le jeu aussi. Non! Dans la 2G, c'est Morgane, elle est type ténèbres, Morgane. Et elle a un Rafflesia, Morgane. Non, Agatha, elle revient jamais. Agatha, après, elle est retournée pécho le professeur Chen. Sans doute. Ou alors elle est morte, parce qu'elle était vieille. Mais non, non, c'est Morgane en 2G. Morgane, j'avais un crush bizarre sur elle quand j'étais enfant. La retraite. Ça peut pas être la retraite. Personne ne prend sa retraite dans Pokémon, les gens meurent. Les gens décèdent. Morgane, je peux comprendre, oui. Ah vraiment, le look original de Morgane, pas la version cheveux bleus avec son pantalon de babos là. Moi je parle de la version petite robe noire moulante avec ses longs cheveux blonds. Où elle est accroupie. Elle est accroupie avec les bras comme ça. On a tous des crushs bizarres en étant enfant. Mais ouais ouais, Morgane dans le conseil des 4, c'est le dernier membre avant Peter d'ailleurs dans le conseil des 4 de la 2G. Et d'ailleurs ils ont fait un truc vachement plus logique dans la 2G, c'est-à-dire que le conseil des 4, c'est il y a 4 membres et au-dessus il y a le maître qui est Peter. Alors que dans la 1G, Peter il fait partie des 4 et le cinquième perso c'est le maître Régis. Enfin, Blue ou Rival quoi. Ou Ilan. Bien sûr. Tout le monde est con. Tout le monde est con. Je me fais rire moi-même. Mais ouais, quand on fera le remake de la 2G, on va voir Morgane pas aussi stylé que sa version d'origine. Pareil, Ondine dans la 2G originale. Oh, avec son espèce de veste de pompier là. Incroyable. C'est pas la meuf qui a un Octali? Si, si, c'est elle. Qui fait plutôt jeune. Surtout par rapport à ses potes du conseil. Pareil, Olga, elle revient jamais. Ce qui me rend très triste. J'aime bien Olga. Olga qui... Je sais plus si c'est canonique ou si c'est du fancast, mais c'est une meuf trans. Ah, Marion! Putain! Pas Morgane, Marion, mais oui!
Je suis bête, Morgane, c'est la meuf de Safrania. Marion. Pardon. Je dis n'importe quoi. Excusez-moi. Plutôt, c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Ouais, j'y vais commando, ouais. J'ai pas peur. J'ai pas peur des boules, là. J'ai pas peur des aimants. Tu vas faire quoi, au juste? Pourquoi meuf trans, Olga? Mais je sais plus, en fait, d'où ça vient. Mais je sais qu'il y a des gens qui considèrent que c'est une meuf trans. Et je sais que moi aussi, je le considère. Je sais plus pourquoi. T'as pas peur de faire noter? Non. Non, parce que ça existait pas à l'époque, faire noter. Je crois. En 3G, il me semble que ça existe pas encore. Et que l'évitation, c'est un truc. C'est pas un talent. Comment dire? Non nommé. Genre, c'est un talent qui, sous le nom de talent, il me semble. Tous les personnages sont trans jusqu'à preuve du contraire. Non, mais il y avait un vrai truc. Attends. Attends. Pokémon. Olga. Trans. Ça dit quoi? Liquipédia. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Counter-Strike Wiki. Elle s'appelle Olga ou Elga? Non, c'est bien Olga. Ouf. C'est dans quoi qu'elle a ce look d'institutrice incroyable? C'est Olga. Transgenre. Non. Transgender. Elle s'appelle pas Olga, je crois, en anglais. Mais bref, je vais pas retrouver, je pense, mais dans Let's Go, peut-être. Peut-être. Mais je sais plus d'où vient ce truc-là, mais je sais qu'il y a des gens qui disent sur Internet qu'elle est trans. Et en vrai, elle a une vibe de meuf trans, je trouve. La queue de cheval comme ça? Personne n'a une queue de cheval comme ça. À part les meufs trans, qui savent pas encore se faire des jolies queues de cheval. En plus, elle est enrubée. Je trouve ça trop idiot, elle est enrubée. Je sais pas si elle est toujours dans celui-là, mais... Lorelai! Attends. Parce que... Avec le nom Lorelai, ça me dit quelque chose. Pokémon Lorelai trans. Oui, et oui, d'ailleurs, il y a sur Clément la même chose. Non, ça, c'est une théorie. Ok, c'est une théorie de fan. C'est une théorie de fan. Alors, il y a des gens qui disent même que Olga et Clément, c'est la même personne. Mais je veux pas le croire. Ouais. Ouais, donc c'est bien de la théorie de fan. Mais Clément, c'est sûr. Clément, transmasque, non-binaire, tout ce que tu veux. 100%. Olga était Clément de la VOD depuis le début. Clément, quelle grosse merde celui-là. Mais ouais, Olga, elle dégage une vibe de meuf trans, je trouve. En plus, elle a des... Genre, elle porte une tenue sans manches, il me semble, et elle a des épaules quand même assez carrées. Prends pas les escaliers. Pourquoi, y a quoi dans les escaliers? Clément pense à laisser un like si tu étais Olga.
C'est pas une sortie pourrie. Ah putain, peut-être. Il y a une sortie piège, c'est vrai. Non, c'est pas celle-là. C'est pas là. Ça, c'est pour remonter. Ça, c'est pour remonter. Faut tomber par le bon trou. Le bon trou, je crois que c'est celui de droite. Non, la sortie bullshit, elle est ailleurs. Elle est tout en bas. Go chercher une solution. Non, mais quand même, on n'en est pas là. Raté. Mauvais trou. The wrong hole, comme on dit, dans la langue de Jay-Z. Bon, nouvelle strat. Je vais combattre que les Pokémon évolués, donc les Rattatak, les Smogogo. Merde. Putain. Oh putain de merde. Je vous ai déjà dit que je détestais ma vie. Il joue vraiment sur le mental, ce manoir de mort. Mais oui. C'est vraiment fait pour te briser psychologiquement. Je vais être à court de PP alors que je suis même pas encore dans la zone importante. C'était l'autre. Ça me bute parce que chaque fois je me dis ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, et je me trompe toujours. À chaque putain de partie. Contente que le manoir Pokémon ne soit pas revenu dans la 2G. En plus, les manoirs c'est de droite, voilà, c'est dit. C'est vrai. Quand j'étais petite, comme dans manoir. Il y a le mot, dans le mot manoir, il y a noir. Je pensais qu'un manoir était forcément de couleur noire. C'est con, un enfant, quand même. Il a cramé chez le manoir. De ouf. Il reste un vague sang de Pokémon. En même temps, enfin, nos seuls exemples de manoir, c'était Luigi's Mansion ou le manoir de la Star Academy. Alors, Luigi's Mansion, ça existait pas quand j'étais enfant. J'étais déjà adolescente quand c'est apparu. Je crois. En tout cas, j'étais vraiment assez grande pour savoir qu'un manoir n'était plus forcément noir. Star Academy, ouais, déjà plus. Merci d'avoir mis ça. Mais c'était un château, c'est vrai, c'était un château. Le château de Damary Lélis, bien sûr. Auguste en PLS dans la grotte comme arène. Oui. Encore plus de droite. Ah, le château de Damary Lélis, c'est de droite. Hein. Avec, bien sûr, la directrice, Alexia Laroche-Joubert. Qui aujourd'hui est productrice sur Koh-Lanta. Elle est la productrice de Koh-Lanta. Yes. Qui es-tu? C'est interdit de se balader ici. Oui, je connais beaucoup de trivia à la con sur les émissions françaises. Denis Brognard ne présentait pas la première édition de Koh-Lanta, mais il était la voix off. Il a commencé à présenter que dans la 2G. Dans la 2... la 2G. Le nom de la ville sonne déjà noble. Ouais. C'est pas loin de chez moi, d'ailleurs. C'est pas loin d'ici. Damary Lélis. Dans les Hauts-de-Seine, je crois. C'est en région parisienne. Région parisienne un peu étendue. Je crois. Je prends littéralement le risque de te casser une jambe dans ce manoir, quand même. Oui. Denis Brognard dans la 2G, ça c'est goldé.
Est-ce que j'apprends danse puits? Plantage auto. Peut-être enlever abri en vrai. Abri c'est pas très. Après c'est pas très utile. Je m'en sers pas vraiment. Ah! Non, j'apprends pas danse puits. Au pire, à la place de morsure. Ouah, non, je vais pas la prendre. Mais c'était quand même drôle, vert, je lance danse pluie. Alors, on va soigner. Parce que je sens venir la destruction. Nique ta mère, Smogogo. Je t'encule par tous les trous, Smogogo. Et ça fait beaucoup. Je prie de m'excuser. On va utiliser un rappel max. On peut enculer par tous les trous, c'est valide. C'est pas juste un seul spécifique pour ce terme. Alors. Je vais dire quelque chose de très sale, quelque chose qui a peut-être tué ma chaîne Twitch, tant pis. Est-ce que tu connais la gonorrhée? Non, pas gonorrhée, gomorrhée, pardon. La gomorrhée. Comme Sodome, Gomorre, la sodomie, la gomorrhée. C'est vrai que Smogogo a effectivement plein de trous, et en plus c'est plein de trous qui sont remplis de merde, donc est-ce que ça marcherait pas finalement? Ne cherchez pas Gomorrhée sur Google, s'il vous plaît. Épargnez-vous ça, vraiment, c'est une pratique sexuelle dégueulasse. C'est quelque chose de particulièrement révulsant. Fun fact, c'est un mec qui s'est avéré être un nazi qui m'a appris ça. Je savais pas à l'époque. Ah, c'est ça la sortie bullshit. Ouais, j'ai connu ce mec-là, c'était lui qui s'incrustait avec nous. Un gars à l'époque de la fac. Gomorrhée de Balzac, je connais. Quelle horreur! C'est dégueulasse. Il s'incrustait avec nous, en fait, avec notre groupe de potes. Et il nous mettait très mal à l'aise quand même. C'était le gars edgy pour être edgy et. Mais on n'était pas très à l'aise avec lui. Et puis, bon, on a fini par se rendre compte que. Quand même. T'aimes bien les nazis, non? Et puis, bah oui. Et plus tard, on a appris que c'était aussi un pédocriminel. Vraiment super. Gomorrhée, la fille des gardiens de la galaxie, c'est ça? Oui. Oh putain. Oh oh, où je suis, moi? Dans ton cul! La gerbe, oui. Oui, la gerbe. Il y a quelques années, j'ai envoyé un message à un pote de l'époque. Et on discutait et tout, et à un moment je dis, ah, oh, tu te souviens de Philippe, il s'appelait Philippe. Tu te souviens de Philippe, comment c'était cringe et tout. Il m'a dit, ah, Philippe, tu sais que depuis, on a retrouvé du pédoporn dans son ordinateur, en fait. J'ai dit, ah, ça me choque, mais ça me surprend pas des masses. Voilà. Donc, ouais, je suis contente de plus fréquenter ce gars. J'ai connu un Philippe nazi aussi, le prénom les attire ou quoi.
En vrai, je crois pas. Parce que j'en connais aussi des biens. J'en connais quelques-uns. Rapport, 1er septembre. Mew 2 est trop puissant. Il est trop puissant. C'est Mew 2. Nous sommes impuissants face à ces pièges. Mewtwo est trop puissant. Nous sommes impuissants face à ces pièges. Peut-être que c'est les mêmes. C'est possible. En homme commodeur, viens en DM, n'hésite pas à me dire le nom de famille de ton Philippe pour voir si c'est le même gars. Si tu le connais. Ouh. Ce serait trop coïncidence. On sait jamais, hein. Laisse-nous croire qu'il y a potentiellement moins de nazis que ce qu'on pourrait penser. Son nom commence par C, je crois. Alors, moi, il commençait par S, mais t'as pas l'air sûr, et le... Et celui... Enfin, le mien, qui commençait par S... Quand t'es pas initié à ce genre de nom, ça, tu pourrais penser que ça peut commencer par C. Est-ce qu'il a un nom qui sonne germanique, en fait? Je vais poser la question directement. C'est juste que le mien avait un nom qui commençait par SCH. Si son nom sonne germanique... Peut-être c'est le même. Est-ce qu'il était coiffé comme un roucoups? Ah, franco-français. Bon bah c'est pas lui alors. Je trouve drôle. Tu as la bonne voyelle. Il y a effectivement une seule voyelle et c'est effectivement celle-là. Oh putain! C'est là qu'ils sont! Alors, fun fact, c'est la première fois que j'en trouve un dans ce putain de jeu. Je savais même pas où ils étaient. Si, je savais. Je pense que je l'ai su, mais j'en ai jamais trouvé en tout cas, j'en ai jamais vu. Bon, à savoir. Strudel. Philippe Strudel. La science, c'est le pied. Il est ici, métamorphe. Je croyais que c'était près du labyrinthe pourri au sud-est. Le labyrinthe pourri au sud-est? Ah, oui. À côté du safari. Bah, ben, peut-être, en vrai. Hein. C'est possible. Commence à devenir un peu tendu du slip, cette affaire-là. Schlagos, on va voir, on va voir. Là, en vrai, je peux m'en sortir encore. Ok, c'est bon. Mais soudain, de manger une gaufre. Il n'y a pas de cette forêt aux alentours, je suis souvent très triste. Putain, tu fais chier parce que maintenant, j'ai aussi envie de manger une gaufre. Oh putain, électrode, c'est sûr qu'il va faire une destruction. Ouais, double faiblesse, ça fait mal, ouais. Je sais, je sais. Acide. Acide man. Le type assez résiste, type ténèbres. Ouais, ouais, je sais. Je l'avais oublié. Mais pourquoi? Parce que... Connard. Allez, on a presque fini. On a presque fini le putain de manoir de ses morts. Ça fait une heure qu'on est là.
fait une heure. Une heure qu'on est dans le manoir. Envie de Canet. J'ai envie de Guillaume Canet, tout simplement. J'ai envie de lui, je... Oh, Blizzard. Dieu merci, nous l'avons. Est-ce que par hasard j'ai une corde sortie? Oui, j'ai une corde sortie, on va complètement l'utiliser. Parfait, on doit faire refaire tout le chemin. Personnellement, Guillaume Canet ne me fait pas très envie. Oh, moi si. Je le pèse. On a fini le manoir, les amis. Maintenant, il est temps d'aller enculer Auguste. Je suis l'enculeuse. C'est moi. Blizzard pour tonton que je lui mets, donc. À la place de quoi? Abri ou morsure? Vibre à quoi? Ok. Auguste est scientifique dans l'âme. Il a sûrement une poire à lavement de prête. J'espère. J'espère que son cul est aussi poli que son crâne. Bon, Margot vibre à quoi? Ça peut sauver un moment. Ok. Je m'en sers jamais, c'est pour ça. Salut, graine de champion. Auguste, le flamboyant, est un pro des Pokémon feu. C'est le moment de jeter de l'eau sur le feu. Prends donc des antibrûles avec toi. Ça peut toujours servir. Je vais y penser. Allez, c'est l'heure du quiz, les amis. C'est l'heure du quiz, le quiz Pokémon. Quiz Pokémon. Une bonne réponse ouvrira la porte. Un peu moins. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur, et tu devras affronter un dresseur. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Chenipan évolue en crise d'acier. Non. Dommage! Mauvaise réponse. Avant, j'étais voleur. Pas de quoi être fier. Aujourd'hui, je suis un dresseur honnête. Oui. Pierre Isidore! C'est Isidore! On va lui refaire le trou de balle avec Pierre Isidore. Je vais tout repeindre. Pierre Isidore. C'est un badass, ok? Le mec, il vient du 16e arrondissement et il va niquer ta mère. Il va voler tous tes objets de valeur. Beaucoup de vocabulaire tournant autour du cloaque et ses dérivés aujourd'hui, Aline. Écoute. Je suis énervé par le décès de Renesmee. Et donc j'ai envie d'enculer. Voilà. Le cloaque. Je crois que c'est un des pires mots. Tu parles de mon vocabulaire, mais putain, cloaque, c'est dégueulasse. Cloaque, c'est un mot qui se... Genre l'odeur du mot, quoi. L'odeur du mot cloaque. Un Pokémon feu, c'est chaud à dresser. Oui. Je sais, j'avais Marlène avec moi. C'est bien, j'apprends des termes aujourd'hui.
J'espère que ça te fait plaisir, que t'apprends des termes qui te plaisent. Du coup, t'étais allé voir Gomorrah, faut pas, hein. Surtout pas. C'est un stream tout en poétique. Merci. Ouais, c'est pas grave. Elle est vraiment dure, cette arène. Genre, Cloak est pour Gomorrah, j'ai pas trop envie de savoir. Oui. Vraiment, t'as raison. C'est comme Blue Waffle. Si tu sais pas, c'est mieux. Donc, cherche pas. Quiz Pokémon! Une bonne réponse ouvrira la porte, une erreur, et tu devras affronter un dresseur. Blue quoi? Blue Waffle, la gaufre bleue. Si tu sais pas, c'est mieux. Va pas chercher. Mais c'est quelque chose. Enfin, ça, c'est un fake, hein. Blue Waffle. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, je vais éviter les erreurs. Il existe 9 badges Pokémon. Bien sûr. Dommage. Mauvaise réponse. Les Pokémon te maîtrisent. Alors toi, tu vas pas gagner. Tu peux pas gagner. Ah ouais, les Pokémon tu maîtrises. Montre-moi comment les Pokémon tu maîtrises. J'ai même pas vu ce qu'il allait lancer. Et oui, parce qu'il en a 8 par génération, donc c'est beaucoup plus. C'est vrai. D'ailleurs, 2G, il y en a pas eu. Il y en a pas 8, il y en a 16. Oui, c'est les mêmes que la 1G, mais techniquement, ça reste d'autres affrontements, tu vois. Oui, je grappille toujours pour prouver que la 2G, c'est la meilleure, hein. Je me battrai jusqu'à ma mort pour affirmer ça. Ouais, je peux encore en faire une. Quiz Pokémon! Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur et tu devras affronter un dresseur. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Tittar évolue 3 fois. Techniquement, en 9G, il y a un badge pour chaque type, dont 18. C'est vrai. C'est la seule fois où tu peux visiter 2 régions, c'est triste, je suis d'accord. Tittar évolue 3 fois. Vous allez me dire non, mais si. Allez, je vais dire non. Bonne réponse! En avant! T'as vu, monsieur? Ah, oh, mince. Non. Oh, ça va! Tarpeau, on le met pas à la poubelle, on aime Tarpeau ici. Tarpeau en 2G, c'est vraiment les designers qui ont dit. On pourrait quand même faire une vraie évolution à Tête Art, hein.
Et voilà, comment est né Tarpo. Attends. Quiz Pokémon. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur, et tu devras affronter un dresseur. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Non, ça a marché. Les capacités électriques sont efficaces contre les Pokémon seuls. Il y a eu deux fois, mais la deuxième fois, tu peux choisir entre deux. Et oui, Tarpo est trop bien. Je sais, Galtica, je sais. Oui, électrique, c'est fort contre sol. Dommage. Mauvaise réponse. Schlechte Antwort. Hé, je sais pourquoi Auguste est devenu dresseur. Parce que ça ferait un style avec son crâne chauve et les Pokéballs. Ouah, t'es dresseur d'arène et tu utilises Danse Flamme, quoi. Ok, je vais tenter un truc du coup. Attention. Oh, merde. Le volume est super bas. Je sais pas pourquoi. Bref, j'avais enregistré le quiz Pokémon. Le petit speech, c'est pas grave. Ouais, l'effet est gâché, ouais. Ouais, je suis bien, j'ai l'air bien con. Hein. Tout est gâché, c'est fichu. J'ai déjà failli perdre un match en PVP à cause d'un Dracolos dans ce flamme. Non, mais d'accord, mais. Y'a. Là, c'est PVP, c'est le niveau encore au-dessus. Genre, dans ce flamme, c'est bien, puis c'est nul, puis c'est re-bien. Et là, on est à un stade où c'est nul, tu vois. Donc, je disais. Quiz Pokémon. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur et tu devras affronter un dresseur. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Les Pokémon du même type et du même niveau sont différents. Non. Dommage, mauvaise réponse. J'ai bourré Raggy dans pas mal d'arènes, mon petit. Mais ma préférée, c'est celle-ci. Il a bourlingué, le gars. Pierre Armand. Pourquoi ils ont tous des noms de snob? Pourquoi ils ont tous des prénoms à s'appeler Gentleman? Envie de bourlinguer. Personnellement, envie de me faire besogner, mais c'est autre chose. C'est un autre sujet. Ils ont tous le vocabulaire à la tête à Renault. Et la tête à Renault. Un peu, ouais. Putain, ma connerie. Ah oui, mais que dire, besogne-moi. Fais-moi découvrir l'amour à trois, à quatre mains. Allez, on ira soigner après lui. Quiz Pokémon. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur et tu devras affronter un dresseur. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Cet E28 contient faux. C'est faux. Oui.
Et non, l'attaque fausse n'existe pas. Tu sais quoi? L'eau, c'est fort contre le feu. Ah bon? J'aurais pas cru. Ah putain, j'ai mal calculé, il me reste un seul surf pour deux Pokémon. Il est bête, il donne sa faiblesse. C'est vrai? Telle sagesse, c'est pas étonnant qu'il se fasse appeler un télo. Quelle sagesse. Quel brillant esprit. Sans doute un érudit. Un homme point douté. Pour sûr, c'est un érudit. Bon. Je suis vraiment un sac à merde. Je peux pas l'utiliser. Très certainement sapiosexuel. Ah bah oui. En tout cas, il ferait vriller tous les sapiosexuels de France et de Navarre. Je suis moi-même sapiosexuel d'ailleurs. Et Marlène Schiappa aussi. Deux grandes femmes. Les gens qui se disent sapiosexuel premier degré, quoi. Qui mettent ça dans leur profil de dating. Marlène, notre arcana. Oui. Je préfère Marlène l'arcana que Marlène Schiappa, évidemment. J'ai eu une pote comme ça. J'apprécie l'usage du passé. Sérieusement, Sapio. Et Marlène, sa sœur, alors, mon dieu. C'est une photo d'Auguste et de Mr. Fuji. Ils sont côte à côte en souriant. C'est trop mignon. Quiz Pokémon! Bon, allez. Alors, attends. Il nous faut une voix stylée pour lui. Attends, on veut lui donner un peu plus de genre. Oui. 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 Salutations. Mon nom est Auguste. Je suis le champion de l'arène de Cramoisille. Mes Pokémon flamboyants vont te réduire en cendres. J'espère que tu as de l'antibrûle. Il va bientôt faire très chaud. Il a dit la phrase. Il a dit la putain de phrase. Il a dit j'espère que tu as de l'antibrûle. Oh, il est tellement BG. Baise-moi, champion Auguste. Il y a deux sexy boys dans Pokémon. Il y a Maconheur et Auguste. J'aimerais tellement me faire besogner par Auguste. Avec son Magmar là. Tu me donnes chaud, Auguste. C'est la déflagration dans ma culotte. Ouloulou. Pendant ce temps, le chat ne dit plus rien. C'est le Heisenberg de Pokémon. Tu vas bientôt être très mouillé, Auguste. Je vais m'en charger. Oh mon dieu, il est monté comme un poney. Aline attaque trempette. Ah, Verge, envoie la flotte. Ça s'écrit tout seul. Jesse. Jesse, we have to cook antibrûle, Jesse. Thank you.
Oui, galope sur mon corps, Auguste. La grosse corne de la licorne. Ah, il a pas de Magmar. Il a même pas son Magmar. Son Pokémon signature. Oh non, déflagration. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça. Enfoiré. Ça n'a rien à voir, mais j'ai toujours cru que l'attaque déflagration c'était un bonhomme, en fait, je comprenais pas pourquoi. Alors, moi aussi quand j'étais enfant, et en fait, alors bon ça se voit moins là, mais dans l'animé, c'est le kanji du feu. Voilà. Flouf ! Je me suis fait vaporiser. Tu as gagné le badge volcan. Le badge volcan augmente le spécial de tes Pokémon. Prends ça aussi. Déflagration est la technique de feu ultime. Ne la donne pas à un Pokémon haut, ce serait du gâchis. Ouais, mais moi c'est de l'animé que je connaissais et je croyais aussi que c'était un bum, tu vois. Rapide mais féroce, verge. Donc, on est sorti du manoir à 15h00 et nous sortons de l'arène feu à 15h20. Voilà. Bravo pour ce manoir de mort et cette arène du plaisir gérontophile. Il est pas si vieux, ça va. Aline, tu as battu Auguste. Oui. Smogo pour déflagration, ah ouais. Il va vraiment servir à quelque chose, putain. Oh, ah, c'est la quête à la con, j'avais oublié cette merde. Oh non. Oh non, on va tellement pas finir la semaine prochaine, on est baisés, non. Merde. Hein? Mais c'est bien toi, Aline. Adieu Florizarre après ça. C'est moi, Léo. Ça fait un bail, dis-moi. J'espère que tu utilises toujours mon PC. Puisqu'on est là ensemble, ça te dirait de venir avec moi sur cette île au sud qu'on appelle île 1? J'ai reçu une invitation et je m'y rends, justement. T'en penses quoi? Tu viens avec moi? Mais si je dis non, je peux pas continuer l'histoire, en fait. Trigger parce que dans une version pirate que j'avais, c'était là qu'il y avait le post-game. Il 1 à ne pas confondre avec Ilan. Est-ce qu'on est obligé? Je s'appelle Sévi. Après, il y a plein de trucs très utiles là-bas. Non, mais d'accord, mais. Hein? On n'est pas là pour ça. Ouais, je crois que je suis obligé. Hein. Terrible désillusion et le projet de finir la semaine prochaine alors. Bah ouais. Très bien alors, on y va! Ouais. Le bateau de mon ami vient d'arriver. Il l'a envoyé à Cramoisil spécialement pour moi. Ouais. C'est cool. Cette quête est tellement à chier. On y est. Voilà l'île 1. Il y a plusieurs îles dans le coin. Nous sommes sur l'une d'elles. Le gars, il a un yacht. Ouais. Léo, il est riche, hein. Mon ami, si Léo a mis ce bateau à ma disposition pour venir ici.
Il a la responsabilité du réseau informatique de l'île. Mais tu auras une meilleure idée en le rencontrant. Allons-y. Vous auriez pas pu mettre ça après les ligues, en fait. Ça aurait dû être du post-game. Salut, Siléo. Léo, j'arrive pas à croire que tu sois venu. Eh bien oui, je suis là. Alors, comment avancent tes recherches? Oh, une seconde. Il faut que je vous présente, Aline. Voici mon ami Siléo. C'est un fou d'informatique. Siléo, je te présente Aline. Aline sera très bientôt un grand champion, j'en suis sûr. Impressionnant. Je dois bien avouer que je ne suis pas doué pour le combat. En tout cas, je suis ravi de te rencontrer. C'est Léo, mais dans la mer, du coup, c'est Siléo. Putain, c'est tellement ça, en plus. C'est sûr, c'est ça. Bon, dis-moi tout. Comment fonctionne ta machine? Plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que nous sommes éloignés de tout, ici. Et le PC ne veut pas se connecter au tien, Léo. C'est très réaliste, on parle exactement sur ce ton-là entre développeurs. J'étais plus sur le côté « c'est écrit avec le cul ». Ah oui? Laisse-moi jeter un œil. Je crois que ça peut s'arranger. Tu veux bien que je t'aide? Aline, est-ce que je peux te demander d'attendre un peu? En fait, j'ai même un service à te demander. L'île voisine s'appelle l'île de... Il est inspiré. Il y a un type qui dirige la salle de jeu. C'est un passionné de pierres précieuses et de roches rares. Est-ce que tu pourrais lui apporter ce météorite? Enthousiasme dans ta voix, merci. J'ai même pas pu aller me soigner, quoi. Aline, si tu vas sur l'île 2, prends ça avec toi. Obtiens le tripass. C'est un pass pour le ferry reliant les îles entre elles. Avec ça, tu pourras aller sur les îles 1, 2 et 3. Oh, il faudrait aussi que tu prennes ça. Aline obtient une page supplémentaire pour sa carte. On se revoit plus tard. Dis bonjour au type de la salle de jeu pour moi. Envie de tripasser. Ouais, le gars sait pas qu'on dit une météorite. Du coup, ma fucking carte, elle a une page en plus. Ah. J'imagine que je peux changer de page. Oh. Laisse-moi revenir là. Envie de Guillaume Canet encore une fois. Donc, on avait dit déflagration. On va le mettre sur Smagao. Sur Smaug. Sur un max de gaz. Prise en otage. De ouf. Ah, on a déjà casse-briques. C'était casse-briques que tu voulais que je récupère à Céladopole ? Bah, peut-être enlever destruction. Quoique, non, ça peut servir à destruction. Détritus, purée de pois. Purée de pois de la merde. C'est pas sur ces îles, il y a Sulfura dans ces versions. Peut-être. Tu as aussi tombe roche. Ouais. Je vais enlever purée de pois, on est d'accord ? C'est de la merde, purée de pois. Destruction ? Ok. Je pensais m'en servir comme Joker, mais d'accord. Un max de gaz. Et ton broche, il faut que je le mette sur quelqu'un? Il apprend explosion plus tard de toute façon. Genre, j'ai... Et c'était casse-briques que tu m'avais dit d'aller prendre? Ah, c'est la dopole. Pas grave, en vrai, on pourra s'en occuper après, sinon. Casse-briques sur Tortank, ok. Ça, on va le faire. Et qu'est-ce qu'on oublie? Morsure? Morsure, ça nous sert pas à... Ah, quoique, il y aura Agatha quand même à gérer. Ouais, mais Léviator, il a morsure aussi. Et Léviator, il a une meilleure attaque physique.
Bon, elle tombe broche, on verra plus tard. Je vous préviens, je vais jouer toute la quête comme j'ai joué le précédent. Agatha, c'est Ronflex qui devrait passer, mais il est type normal, il fait que les attaques normales, ça affectera pas les spectres. Genre lui, il sera pas touché, mais il va toucher personne. Ohé, Moussaillon, où veux-tu aller ? Île 2. Très bien, tout le monde à bord. La flèche des mers 2 va partir. Il faut aller chercher la cité psycho à Safrania. Ah, pour Ronflex. Où est la salle de jeu ? Salle de jeu. Affrontez vos adversaires. La flèche des merdeux. Bon. Où est-ce que le stèle est encore passé ? Elle devrait déjà être là avec mon repas. Putain, en plus, c'est misogyne. Oh ? Bonjour ? Tu connais le stèle ? Est-ce que tu l'as vu ? Elle devrait déjà être là. Elle est si mignonne, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. L'hostel, je t'en prie, aide-moi à la chercher. Va voir sur l'île 3. Hein? C'est quoi cette salle de jeu? Ça craint vraiment ici. Les imbéciles, ils disaient qu'ils m'attendraient sur l'île. Où est-ce qu'ils sont? Et toi? C'est bien la seule île 3 ici, non? Ouvre les yeux avant de sortir du lit, crétin. Tu es sur l'île 2. Allez, pars d'ici et emmène ta fichue moto avec toi. Hein? Oh, j'ai compris. Psst, quelle idée d'appeler ces îles comme ça aussi. C'est moi dans ta voix, je sens que tu es blasé. Mais non. Non, je joue avec l'implication que ça appelle. Regarde ça. Ce voyou a rayé tout le sol. Je vais aller sur l'île 3. Ce tour du club de tête de Kermesse. Même pas un combat, à quoi ça sert? Il y en aura après des combats nuls à chier. Ohé, Moussaillon, où veux-tu aller? Très bien, tout le monde à bord. La flèche des mers 2 va partir. Je viens de comprendre le message d'un random commoner d'avant la flèche des mers 2. C'est toi le chef de cette bande? Repartez pour Kanto maintenant. Ah ah! Comme c'est dommage, je viens juste d'arriver. Quel manque de courtoisie. Tu arriverais presque à m'énerver. Votre gang de motards a semé la panique depuis son arrivée ici. Est-ce que vous vous rendez compte des problèmes que vous créez sur cette petite île? Non mon gars, je m'en rends pas compte du tout. Aline est devenue une Alexa au secours. Regarde autour de toi, y a rien à faire ici. On vous apporte un peu de changement. Mais si tu tiens tant à retrouver ta vie ennuyeuse, tu peux toujours essayer de nous faire partir. Grrr, bande de lâches. Vous faites les durs parce que vous êtes en groupe. Elle fait la narration des TikTok qui reprennent des threads Reddit avec une vidéo Minecraft d'un type qui saute de bloc en bloc. Il y a mon gars le détective depuis le début. Je vais boire un peu. Quoi? Qu'est-ce que tu mates? La bête travers. J'ai eu de l'eau dans le nez. Moi je vois pas exactement ce que c'est, mais ça me fait rire. Je me visualise très bien en tout cas. Je dois ramener mon jeu d'actrice. C'est parti. Quoi? Attends. Quoi? Qu'est-ce que tu mates? Tu sais pas que c'est pas poli? Tu cherches vraiment à ce que je m'énerve ou quoi?
Non. Bonne réponse. Alors fais-moi de l'air maintenant. Ah, ça me pique dans le nez. Attendez, faut que je me mouche. Pardon. J'ai coupé parce que je voulais pas que vous me voyiez avoir l'air con à appuyer sur mon front en mouchant. Quoi ? Tu peux mais nous laisser avec cette musique du stress en musique d'attente ? Quoi ? Qu'est-ce que tu mates ? Tu sais pas que c'est pas poli ? Tu cherches vraiment à ce que je m'énerve ou quoi ? Oui. Ha 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 ! T'as du cran au moins. Tu vas te souvenir de cette raclée. Je vous rappelle que j'ai postulé pour un casting pour un long métrage. Motard Gabin, non mais mec, tu t'appelles Gabin. Verge go! Surfe lui sur la face! Aline qui est cassée à cause de l'eau, on l'a peut-être vraiment remplacée par Alex. L'eau, c'est ma seule faiblesse. Je suis type feu, moi. Je suis flamboyante. J'ai un tempérament de feu. Tempérament explosif. Ça n'empêche pas Aline de faire trompette. Et non. Quoi ? Je peux pas le croire. Faut entraîner les autres Pokémon. Mais je sais. Ne t'avise pas de te moquer. T'es pas de Kanto. Tu devrais être de notre côté. Mais il s'appelle aussi Motard Gabin. Non mais non seulement c'est écrit avec le cul cette partie du jeu, mais ça est codé avec le cul aussi. C'est ouf. Ils ont tous le même prénom. Pardon. Ils ont tous le même prénom. Motard Gabin. Le gang des Gabins. Vous ne les connaissez pas, mais vos enfants en sont déjà fans. Le gang des Gabins. On se les arrache à la cour de récréation. C'est votre reportage, merci. Le Gabin Gang. Vous ne le savez pas, mais peut-être vos enfants y jouent. Le jeu du Gabin. Alors, simple jeu pour enfants ou loisir mortel. Au secours, la voix des reportages M6 et W9. Peut-être que c'est le sbire Team Rocket qui fait une reconversion. C'est quoi ton problème ? T'as pas besoin de t'énerver. Vraiment pas cool. On a demandé au chef de venir ici, mais t'as tout gâché. Tu nous fous la honte. J'ai pas vu comment il s'appelait. Peu contre des bikers en PLS face à une gamine de 10 ans. Ouais. C'est aussi Motard Gabin. Une gamine de 10 ans qui leur a dit, quand ils ont dit tu cherches la merde, elle a dit ouais. Vraiment l'aplomb de l'enfant. Boss. Ça veut dire patron. Tu dois faire quelque chose contre Smioche. Je t'ai regardé. T'en as vraiment fait assez, tu crois pas ? T'es qui ? T'es avec eux ou quoi ? Alors, tu vas te mettre à leur place. Ok ? Viens, nous boss Gabin. Ah, Loubar Kevin. Il y a quand même un nom, ça marche quand même.
Ah merde, c'est pas lui que je devais jouer. Loubar Kevin, JPP. Le mec il fait 2 mètres et son blasé Kevin. Allez. Pardon. For fuck's sake. On a perdu Big Boy. Je suis grave choqué. Encore putain de Smogogo, le pire ennemi de cette game, de ouf. Oh la vache. Par une bombe à prout qui flotte. Ça, c'est une mort qui fait mal. Notre Pokémon Master Bolé. Putain. On va vraiment finir sans rien. C'est terrible. On va jamais finir ce Nuzlocke. Oh l'enfer. C'est à cause de Léo, ils sont des tours de mort, mais grave. Encore une fois, comme la semaine dernière, des tours mortels. Putain. Pourquoi on devait aller faire les cons dans les îles déjà? Parce que Léo, il avait envie. C'est Maut, Maogany. Pour aider 6 Léo sur une fonctionnalité inutilisable sur cette run. Mais oui! Oui, j'ai besoin d'aide. Comment on gagne? Dis les termes! Il va falloir réfléchir à une stratégie pour Agatha maintenant. Là, on va spammer morsure avec la chiasse, hein, qu'est-ce que je te dise? Si la chiasse survit, bien sûr. Tu as le sang de Big Boy sur les mains, Léo. Grave. Et 6 Léo aussi? Ou 6? On pique le hypnomade creepy peut-être. On entend Agatha et Dévoreur. Mais on le pique où, de quoi? On peut pas voler des Pokémon? On va te fumer, Léo. Je vais te fumer. Hop là. Après, je crois qu'il y a des herbes sur ces îles. Peut-être on va pouvoir choper quelque chose qui va servir à quelque chose. Même si j'ai des doutes. Ok, ça suffit. On va partir. Oui, maintenant que t'as tué Big Boy. Et en plus, il ressemble à Ronflex. Il me taille pour me narguer, ça. On est bien content de quitter cette île de vieux. Encore les millennials. Encore un coup des millennials. On en avait marre de ces bouseux de toute façon. Si seulement quelqu'un de fort comme toi pouvait habiter ici, j'espère au moins que tu resteras quelque temps. Pardon? Oh? Tu cherches l'hostel?
Elle est partie vers le pont du lien, il n'y a pas longtemps. Avec son crâne en forme de zob, là. Bon. Putain, Pig Boy! J'ai le seum! Non, bah non. Ça y est, on a trois équipes complètes. Meilleur Pokémon. Quoi? C'était lui? Notre meilleur Pokémon? Ça n'augure rien de bon ce que tu viens de dire. Oh merde. Cette histoire de l'île où on se sent bien chez soi, où on pète la gueule à des punks à crête qui valent notre travail, c'est pas très de gauche tout ça. Je suis d'accord. Putain, c'est vrai. J'avais même pas fait gaffe. On est vraiment dans un reportage M6. Ok, est-ce qu'on a des balls? Oui. Peut-être c'est le renouveau. Je sais plus quel Pokémon il y a dans cet endroit de merde. Les îles, c'est le droit de toute façon. Roucoupt, alors. Non, bah non, on a déjà eu ce cas de figure. C'est non. En plus, on l'a déjà eu avec Roucoupt. Ah ouais, bro. Tu veux jouer comme ça? On a déjà... Vas-y, donnez des Pokémon qu'on n'a pas déjà trouvé, au moins. Ouais. Tu vas vite apprendre quel est notre Pokémon favori. Mélofée. 100% c'est Mélofée. Rondoudou. Voilà. Oh la Dream Team que j'ai sortie là. Oh la fine équipe. L'équipe de choc. De toute façon les jumeaux c'est de droite. Pourquoi tu dis non, Mahogany? Parce que les jumeaux, c'est pas de droite? Tu as un jumeau, c'est ça? Tu as secrètement un jumeau depuis le début? Ah oui? C'est vrai? Son masque, j'étais tâché de me le cacher depuis le début. Réellement une jumelle. D'accord. Bah écoute. Ok. Et est-ce que vous entretenez ça en vous habillant exactement pareil ou ça va? Vous êtes normal? Le twist. Pas de ouf. Ok, bon je m'en doutais un petit peu en vrai, c'est pour ça que j'ai posé la question comme ça aussi. Elle a un pseudo comme le tien à une syllabe près dans tous les RPG.
Morgano. Ouais, Mimitos, on va le prendre, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit. C'est pas le moment. Non. Ce n'est pas le moment de perdre un autre Pokémon. On a déjà assez perdu aujourd'hui. Allez, Verge. Mets une claque à cette présomptueuse. Putain, en plus, il va se soigner, cet enculé. Ah mais là, en plus, je vais le one-shot avec n'importe quoi, là. Il est parfait pour Agatha. Ah ouais. C'est l'heure de trouver un nom. Je vois pas comment finir le jeu en un seul stream la semaine prochaine, par contre. Bah moi non plus. C'est bien pour ça que j'étais saoulé d'aller sur les putains d'îles de ces morts. J'ai besoin d'un nom, les amis. Résistance poison et plein d'attaques. Mimi Mette. Bah, boule de poil, c'est pas mal aussi. Lancer de PQ. Quoi? Ah oui. Ok, j'ai. En vrai, j'aime. Je pense que je préfère boule de poil. Ah, Bolos. Non, pas Bolos. Ah, Minimitos, Bolos, ouais. Ouh. Vous êtes inspiré? Mini Bolos? Non, en vrai, j'aime bien boule de poil, qui est comme ça en plus. Boule. J'aime trop ton boule de poil. Ça devient un papillon quand même. Non, ça devient une mythe pleine de poils, toujours. Alors, j'ai une suggestion d'ailleurs pour boule de poil pour l'orthographe. Je propose. Cranios. Boule de poil. Est-ce que vous approuvez boule de poivre? Limite. Poil, c'est un truc qui coule au collège, ça. Eh ben, c'est validé, alors. Putain, il était envoyé à la bonne boîte. Et là, on va trouver Mew. C'est vrai. C'est vrai qu'il est en train de se passer ça aussi. Et puis en plus là aujourd'hui je peux pas dire je reste un peu plus longtemps quoi. Non non, c'est à 17h, je dois arrêter quoi. Merci pour l'XP. Bon, il est en train de s'entraîner pour de vrai là. Où est-ce que tu cours si vite? Quelle indignité.
Twitch, monsieur Pujadas. Sacrée journée. Ah bah ouais, là, c'est... C'est l'hécatombe. C'est ta faute, Léo. De ouf. En vrai, oui. C'est sa faute. Là, je devrais déjà être dans l'arène de Jadiel. Putain. C'est vraiment trop injuste. Bam, à chaque fois j'oublie en plus, il y a cette partie de merde là. Ah, et même pas de Florizarre cette conne. Le titre de l'épisode c'est l'hécatombe. Le cimetière des Pokémon. Sincèrement, chaque mort, je la vis comme un nouveau message dans une vague de harcèlement. Enchaînement de morts des rôles secondaires. Il y a des rôles principaux là quand même. Entre Renesmee et Big Boy, bon. Total soin. Hashtag trop soin. Hashtag total soin. Non, ta mère la... L'odeur de la mer, le sel sur ma peau, ça me donne la pêche. Le sel sur ma peau, ça fait de moi un jambon. Ok, Angèle. POV, tu es un jambon. Gloobs, je suis un jambon. Fin des haricots. Docteur Schlingo, sauve-nous la life. La ref à Gloops, je l'avais pas vu venir. Fun fact, j'ai jamais vu ce putain de film. Juste le titre m'a toujours fait rire. Il copie en plus le bâtard. Sacre Blue. Bienvenue Dartcom, bravo pour ton premier commentaire, ton premier message dans le chat. Félicitations. Bienvenue parmi nous. N'hésite pas à follow et à sub, bien sûr. Comme une odeur bizarre, bah oui t'as pété. Tu sens le jambon. Tu laves jamais tes Pokémon? Ça sent vraiment pas bon. Effectivement, je ne les lave pas. Comment tu sais? Il y a déjà eu des trucs sur ça la semaine dernière, je crois. Hein. Comme une odeur bizarre, elle a dit.
Oh mon dieu. I feel called out. Ma maman, elle dit que j'ai pas le droit de nager sans ma bouée. En même temps, on a la barbaque dans ce mogo crevé avec nous. La barbaque. Pourquoi la gamine elle ressemble à Liputu? Dirtcom Chakra Blue, c'est... Je crois que c'est un... Comment dire? Je crois que c'est un... Un Joshua. Do you speak English, Dirtcom? Do you like me to speak English? You just don't care. Maybe I'm not even here anymore. I don't know. Je soupçonne aussi les Joshua. Sait-on de ce chat? C'est grave possible. Dirtcom? Are you here? Are you there? Joshua, il s'assionne. Ah, ok. Do you want a sub? Do you want a sub to the channel? .com? La tentative de sacre bleu maladroite is staying. It's free if you use Prime! That's true! C'est dommage, il a un nom moins identifiable et fun que Joshua. Do you have a friend named Joshua? Do you know Joshua? He came earlier in the stream a few weeks ago. Maybe you know him, maybe you are him. How are you, Joshua? Again? Oh my god, you're back! I'm so happy to see you! Il répondra pas, je crois. Hein. Tell him we miss him! Yeah! Miss Joshua, please bring him back. Yeah, yeah, Pokémon. Okay. Flutter Alexis. Mon super Instari quoi. Nous voilà bien. C'est la merde, hein. C'est la merde, j'aime pas mon équipe. Je suis saoulé. Je suis très saoulé. Attention type psy. Attention type plante, j'ai envie de te dire. Let's gong. J'ai pas peur. Pas peur du tout. Le stream de la Soulax. Ouais. En vrai, peut-être on va pouvoir finir la semaine prochaine. Hein. Parce que je vais mourir. Tout simplement. Krabby. Oh my god, it's Krabby. Oh my gosh. Krabby. Avoir confiance, ça peut toujours passer.
ça commence à être compliqué de garder la foi là. Genre vraiment on perd que des persos cool en fait. J'ai gagné, je viens de perdre là. Do you know the name of Krabby's equivalent in Gen 5, Joshua? It's Krabby Cock. Quoi? Les Coronflex qui étaient très utiles. Si tu as les Mimitos pour remplacer, ça passe. C'est la faute à Léo si... finit pas les temps. Oui. D'ailleurs, faut que je regarde un peu les routes parce que là je connais moins par cœur. Ouais, pont du lien, on a rien pont du lien encore. Ah si. Non. Ah si si. Plutôt c'est Gauthier contre Florizard. Boisbert. Droit devant. Sa mère la pute. Nouvelle zone, hein. Nouvelle zone, ça veut dire nouveau Pokémon. Les petits potes. Oh. Psychoquack. Antipo. Imagine, tu trouves Pikachu. Ouais, mais on pourra pas l'attraper. Lui il est bien aussi, mais j'ai déjà mis le type haut. Oh on s'en fiche, ils sont forts. Certes. C'est Ondine qui avait raison en fait. Il y a choc mental pour Agatha. C'est vrai. Peut-être on pourra lui mettre psycho d'ailleurs. Histoire de faire mieux que choc mental. J'ai besoin d'un nom. Pardon. J'ai besoin d'un nom. Littéralement, il n'y a que Florizard contre le type O dans la ligue. Le Duke. Géraldine. Pourquoi Géraldine? Allez, c'est bon. Pardon pour Géraldine, mais ce sera Canard. Entre le fait que tu l'écris en majuscule... Et je sais pas, genre juste voir le message apparaître, j'ai vraiment une impression que t'as fait CANARD. Merci. Alors, par contre, on sait qu'on va sortir cheval. Ah bah non, c'est bon, on sort cheval et brocoli. J'ai exactement fait ça. Finalement, je suis un peu ta soeur jumelle aussi. Mystère. Mystère. Je
Cheval et Smogo, on sort. Cosmogo, on l'avait mis avec déflagration. Non. Prends pas. Regarde, c'est maman. Smogo est un peu mort. Ah bah oui, c'est vrai, il est mort. J'avais pas pensé à ça. J'ai pas les réflexes du Nuzlocke, en fait. Pour voir un Pokémon KO dans mon équipe, je me dis pas encore. Bah, il est pas là. Il est plus là. Si seulement j'avais coupe, hein. Tiens. Lui, on va pas fuir, on va le combattre quand même. Ça, c'est de l'XP, ça. En vrai, je suis contente maintenant que les gens, les Américains arrivent sur mon stream et au lieu de dire you're a dude, ils disent sacrebleu parce que je suis française. Genre, ils remarquent d'abord le fait que je sois française. Ça fait plaisir. De rien. Putain! Laissez-moi tranquille. Attention, Pokémon sauvage attiré par des baies. Si, bro. Oh putain, on l'a trouvé. Sniff, aidez-moi. Un méchant Pokémon n'arrête pas de m'embêter. Il me fait peur. Sniff, je peux plus partir. Je veux rentrer chez moi. Oh, il revient encore. Non, attends. J'ai peur. Ah, je veux mon papa. Oh non. Ah, ok, c'est de ça que tu parlais. Bah, du coup, on peut pas parce qu'on a déjà attrapé Pokémon, quoi. Ah, putain. Combat contre un Hypnomane niveau 30. Please! Mon papa veut ta bouffe, ma grande, il en a rien à fiche de toi. Grave, il veut que tu lui fasses à manger. Viens avec moi, tu vas mieux t'amuser. Nous, on répond à des loubars. Loubar Kevin, quand on nous dit tu cherches la merde, on lui répond oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde a peur de nous. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. En fait. Viens, l'hostel. On a une place libre dans l'équipe. Allez, ça c'est fait. Ouais, merci pour l'XP. Oh, j'ai eu trop peur. Merci beaucoup. Je voulais ramasser des baies, tiens. C'est pour toi. Obtenu baie papaya. Papaya comme Pattaya. Pattaya, mon gars. Tu t'appelles comment? J'ai peur. Tu veux bien venir avec moi jusque chez mon papa? Oui, on y va. Je rentre à ma maison. D'accord, Eric Cartman. L'hostel, est-ce que tu as attaque morsure? Alors c'est vrai, l'hostel a été sauvé grâce à toi. Comment te remercier? L'hostel, ma chérie, pardonne-moi. Papa ne savait pas que tu étais en danger. Tout va bien, papa, grâce à Aline. Je suis sûr qu'on se reverra. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu dis que c'est pour moi? Comment sais-tu que j'aime les pierres rares? On peut dire que tu sais comment rendre les gens heureux. Attends, c'est lui qui voulait me donner une récompense et au final c'est moi qui l'en donne une? Oh, je vois, ça vient de Léo. Remercie-le de ma part. Au fait, j'ai moi aussi quelque chose pour toi. Pour te remercier. Aline reçoit la pierre lune du père de l'hostel. Bah, ça va très bien. Il en avait juste tellement rien à foutre qu'il a envoyé une parfaite inconnue le chercher. L'hostel, c'est parce que c'est une fille qu'elle était perdue.
Moi je pensais que c'était parce qu'elle était à l'hôtel. Elle est littéralement nommée comme un Pokémon. Oh la vache, c'est terrible parce que t'as raison, c'est ça. Très bien, je vais ouvrir la salle de jeu tout de suite. Viens me voir avec des amis. Quel ticket nous a fait une rolling là? Bah techniquement c'est les gens de Pokémon qui ont fait une rolling. Alors, un peu de renouveau dans l'équipe. Dans l'équipe. Vous vous rendez compte que peut-être bientôt on aura besoin de plusieurs boîtes la mort. On devra faire la mort 2. La mort 2, le retour. À quel niveau ils évoluent Psychoquack et Mimitos? Moussaillon, où veux-tu aller? Île 1. Très bien, tout le monde à bord. La flèche des mers 2 va partir. Cabar 33. Un canard. Oh! Boule de poing. Oh, Aline. Qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce qui t'a retenu comme ça? Nous, on a terminé. Les PC fonctionnent à merveille. Léo est un vrai pro. Il a réussi à tout mettre en ligne. On n'a rien de temps. Non, non. C'était vraiment rien. Tout ça, c'est grâce à toi, Sis, Léo. J'aurais rien pu faire tout seul. Seul. Oh. Merci. Bon, maintenant que tout fonctionne, on peut repartir. Pour Kanto. A bientôt, 6 Léo. Aline, je suis vraiment désolé d'avoir passé tout ce temps sur le PC. C'est promis, la prochaine fois, je te ferai visiter les îles. Ouf, t'es mort, Léo. Il a juste ouvert les ports de la box et le serveur Amashi Minecraft fonctionne bien maintenant. Littéralement, c'est à mes yeux, c'est le streamer qui se prend pour un alpiniste et qui a ouvert son serveur Minecraft après une semaine sur une île déserte. Piu, quel voyage! On dirait que Sis Léo apprécie beaucoup ta compagnie. Je suis sûr qu'il serait content de te revoir. Si tu as le tripass, tu peux prendre un ferry depuis le port de Carmin-sur-Mer. Allez, merci pour le voyage. Donc, on peut reprendre le vrai jeu. Je vous cache pas qu'on va prendre un Pokémon qui s'est volé. On va aller passer à Deux-Pôles, choper Psycho. Où est notre taxi? Safrania, oui, c'est la Safrania que je pensais. C'est dans la maison de Monsieur Psy, si je ne m'abuse. Ah, on lui a pas appris. On l'avait même pas fait. Vous avez vu, il est vivant. Bizarre. J'ai pas l'habitude de le voir vivant. J'ai l'habitude de le voir sous forme de cadavre. Il a déjà 4 capacités. Ah, je m'en bats les couilles.
maison de Monsieur Psy. Chute, pas un mot. Tu veux ça? Elle obtient la CT-29. CT-29. Psycho. Cette attaque diminue le spécial de la cible. C'est pas tout ce qu'elle fait. Ça tape super fort aussi. Maintenant, direction Radiel. En espagnol. Si. Radiel. Por canar. Si. Pero primero tengo que matar Rukul. La muerta. Si. Mátalo. Vous avez vu, je suis trilingue. Venu aussi surf du coup. Oui. On va tout lui donner. On va lui donner coupe et vol. Bah quoi, c'est un oiseau. Il a des ailes, c'est un canard. Les canards ça vole, bon. Vous avez les crêpes, vous avez du sucre. Bon, bah, j'ai une crêpe au sucre. Oh le move de... Les moves de merde. Oh mon dieu. Alors surf, ça va remplacer... Boost. Envie de gaufres et de crêpes maintenant. Ouais, moi aussi. Tous les jours de la vie. Tous les jours de ta vie, comme les femmes, quoi. Bref, je connais pas les paroles. Vous êtes de qualité. Quoi? Comment ça, il peut pas la prendre? En parlant espagnol, tu vas attirer le Joshua espagnol. I wish. Ok, ben, on va attendre qu'il évolue alors. Parce que je pense que Aquaqua qui peut l'apprendre quand même. Psycho. Je vais le laisser devant. Ah non, il est pas devant du coup. Abruti. Comme ça, il va s'entraîner vite sur les types sol avec surf. C'est parti pour la dernière arène, les amis. Salut, champion en herbe. Même moi, je ne sais pas qui est le champion de Shradiel. Le combat qui t'attend sera le plus dur de tous. Le dresseur de cette arène aime les Pokémon du type sol. Bah non, il peut pas. Quoi? Parlant de Macognon, on va faire venir les bodybuilders quadrip. Il peut pas, quoi, mais c'est fou. Il peut plénitude. Mais on a plénitude. Ouais, bah on va lui mettre plénitude. De toute façon, j'ai rien à faire avec plénitude. On va lui enlever entrave. Non, grincement, ça sert à rien là avec ce qu'on a. Mais je trouve ça fou qu'il puisse pas à l'époque apprendre psycho. Je suis sûr d'avoir déjà pris des psychos de la part d'Aquaquac en 2G. Est-ce que du coup j'apprends psycho maintenant à Mimitos comme ça et on le laisse évoluer? Histoire qui... Genre psycho plus super bonbon, comme ça il est plus fort. Ouais. Comme ça, on n'a pas besoin d'en faire un petit boulet jusqu'au niveau 41 quoi. Raphaël Psy, ça dégage. Ah, je sais pas trop. Peut-être Parasport. De toute façon, t'auras certainement pas d'autres Pokémon qui peut la prendre. Oui, je pense. Peut-être plutôt Parasport. Parasport, ça sert à que dalle, vraiment.
Pour le taxi. Ok. Je suis les conseils. Qui m'envoie des tweets alors qu'elle est au travail là. Bull de Poil monte au niveau 35. Quoi? Bull de Poil évolue? Ça faisait longtemps. Félicitations! Votre boule de poil évolue en aéromite. On peut pas lui apprendre une attaque vol aussi d'ailleurs. C'est la pose qu'elle fait, elle a le droit. Certes. Aéropique. Est-ce que aéromite il apprend aéropique? Il peut l'apprendre. Est-ce que ça vaut le coup? À votre avis? C'est l'heure du goûter. Non, j'ai pas de goûter. Est-ce que Aéropique ça vaut le coup sur Aéromite pour gérer un peu du type combat? Normalement, il apprend Tornade au niveau 31, mais trop tard là. Bah, du coup, ça compenserait un peu. J'imagine qu'il apprend pas cruel alors que ce serait logique. Genre on pourrait dégager Parasport pour Aéropique. Ou Vampirisme. T'as plus de MNM? Non. À la place de Vampirisme, ouais c'est ce que je me suis dit aussi. Non j'ai plus de MNM, ils sont dans la poubelle là. J'ai mangé 2 paquets cette semaine, c'est quand même beaucoup. Faut pas non plus que j'alimente trop les TCR. Parce que les trucs comme ça, je... Il a quoi comme talent? Bonne question. Écran poudre. Empêche le cumul d'effets. Le cumul d'effets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le cumul d'effets? Le cumul d'effets, quoi. Quoi, il aurait pu avoir quoi? Est-ce qu'il aurait pu avoir un truc immensément stylé? Je suis le roi du karaté et ton destin repose entre mes mains. Le cumul d'effets. Le roi du karaté. Oui. Oui. L'anti-teinté. Looking respectfully. Tu vois, c'est ça que je disais, l'arène sol, là. Voilà, hein, on se sait. Ça fait 2 fois sur les attaques pas très efficaces. Ouh. Ce poké slip, là. J'aimerais bien avoir le même. Hein. Avec la poké ceinture. Le poké slowbar. Hop là. Campoud, ça fait que les effets secondaires, les attaques ne s'activent pas. Ok. Ça doit exister sur Etsy. Par exemple, tu peux pas avoir la trouille sur morsure, par exemple. Ok.
Il a une équipe un peu énervée, lui, hein. Oh, ça sent la merde. Ah, il y a une odeur de merde. Qui a arrêté de laver ses Pokémon? La meuf avait prévenu, nous on s'est moqué. Shame on us. Bon, au final, on n'est pas autant en retard sur le planning que ce que j'ai cru. Parce qu'il nous reste une demi-heure et on est dans l'arène. Ah, avec un peu de chance, on arrive à finir l'arène aujourd'hui, c'est pas sûr. Et ça nous laisse la route victoire et la ligue pour la semaine prochaine. Ou alors, on finit pas l'arène aujourd'hui et on a à gérer la fin de l'arène. Route victoire, ligue. Ce qui sera un peu tendu, mais faisable. Faisable, on sait jamais. On va bourriner un peu dans la route victoire. Là c'est bien parce que en fait c'était dur de s'entraîner partout. Mais route victoire, il y a beaucoup de petits proches. En 3 heures ça se fait, je pense. Oui. En vrai je pense que c'est faisable. Je suis d'accord. Les Pokémon vont se courber sous mes coups de fouet. Vous faites faire foutre ? On aura Ilan avant la route victoire quand même, faut pas crever devant lui, comme sur la première save ratée de ce let's play. Ça n'a jamais eu lieu. Ouais, on va essayer de survivre à ça. J'ai bien dit essayer. Putain, brocoli, c'est ton moment. It's your time to shine. Je suis en train de vérifier un truc. Ok. Allez, brocoli. On croit tous en toi. Tout le chat croit en toi. Tu vas lui briser les os. Une deuxième fois. Allez, brocoli. Allez, oui, bravo. 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 Tu auras jamais cascade, tu peux donner surf alligator aussi, ce sera pas très fort, mais au moins ça passe sur les roches sol. Keltika, on sent que t'es saoulé que j'ai pas, que je sois pas allé chercher cascade. J'ai l'impression. GG le brocos. Non, parce qu'en plus c'est une CS et tout, genre à 100% c'est vraiment tout au fond de sa mère de la putain de grotte là. J'ai ni le temps ni l'envie, en vrai.
Le karaté est l'art martial ultime. Ok, bro. Cool story, bro. Karateka Akira. Putain, 43. Alors. On va sortir les tanks, hein. Désolé. Ouf. C'est Poképec là. Ouais. Ah, il a des Poképec, hein. Il a des Pokébiceps aussi. Et des Poképieds. Ah, c'était une autre époque, hein. Aujourd'hui, ils font des Pokémon anthropomorphes. Enfin, c'est ridicule, c'est même plus des animaux, quoi. N'importe quoi, en fait. Je vais aller soigner. Je vais prendre mes précautions sur cette arène, parce qu'elle est dure. Et je vais soigner. On note, hein. On a vu combien de types sol jusqu'à maintenant ? Ferro. Mais c'est ça, maintenant, il y a des boules, il y a des objets, et des anthropomorphes. Alors qu'à l'époque, jamais, jamais ça n'arrivait. Ah ouais, Kiltika, vas-y, cite les douces. Cite tous les Pokémon de type sol qu'on a croisés dans l'arène sol. Ah ouais, t'es féministe, cite toutes les femmes. Je pourrais ne pas affronter ces trois bolosses. Mais je vais affronter ces trois bolosses. Top dresseur Yuji. Oh putain, un type sol. Qui l'eût cru? Allez, canard, c'est ton moment. Essaye de le battre. STP. Ne meurs pas. Ils existent. Ils sont bien là. Oh putain. Oh putain, bientôt canard va valoir le coup. Dans pas longtemps. Oh putain, un deuxième. Oh la vache, il est tellement de type sol. Il est tellement de type sol qu'il est même type proche en plus. Par-dessus. Let's go. Allez, canard, il évolue à la fin du combat. On y croit. On y croit de ouf. J'y crois à mort. Allez. Vas-y, enchaîne-les, enchaîne-les. Canard, il est insensible au changement de... Au changement de météo, c'était son talent. Let's go. Gravalanche pétable ou pas, de ouf. De ouf. Je sais pas comment, mais oui. C'est un méga oui. Avec sa petite bouche, là. Let's go. Bravo canard, t'es incroyable. Tu voles sur ce combat, tu es merveilleux, tu es grand, tu es beau. Tu es beau putain. Tu es le meilleur. Bravo canard. Tu as toujours tous tes points de vie, tu vas évoluer à la fin du combat si tu survis. Bravo canard, tu es le meilleur, meilleur, meilleur. Oui, ossature, on va le péter aussi. Et d'ailleurs pétable de ouf ossature. Allez, vas-y. Vas-y canard, t'es le meilleur putain. T'es le meilleur. On y croit tous. Allez, tout le monde dans le chat. Bravo, canard, bravo. Vas-y, vas-y. Fais du canard WC de sa gueule. Oui, c'est oui, c'est oui. Allez. Oui. Tu résistes à la tempête de sable. C'est parfait, t'es trop bien. Tu surfes, tu surfes. Allez, bim, bim. Oh, ça tue la MILF. Comment ça, hyper potion, on s'en fout, on va le niquer. Aline qui produit du contenu kink à ce stade quand même. Allez, vas-y, surf. Ne clippez pas pour le coup. Ça pourrait niquer ma potentielle carrière. Exactement, bravo canard. Vas-y canard, t'es le meilleur. T'es le meilleur canard, pétable de ouf d'ailleurs. Et Aquaquac aussi, bravo. Canard évolue, let's go. Aquaquac, on va pouvoir fantasmer avec quelqu'un dans notre équipe. C'est merveilleux, c'est formidable. Bravo canard. Thank you.
Félicitations, votre canard évoluant à Quack-Quack. Raté une seule fois surf alors qu'il avait pris le jet de sable. Et oui. Et oui. Ça, c'est un roi, ça. Ça, c'est canard comme je l'aime. Groard, la colère m'envahit. Viens te battre. Post-climax, à Quack-Quack pétable ou pas? Oui. Ah, mais oui, à Quack-Quack pétable de ouf. À Quack-Quack, j'avais un crush sur lui quand j'étais enfant. Allez, on va tenter le choc mental, même si c'est une attaque de merde. Ça passe. Ce sprite, c'est ce moment-là. J'étais en train de me dire exactement la même chose. Regarde-moi, je rougis. Aline dans sa face furry. Écoute... Ils sont anthropomorphes, la partie anthropomorphe me plaît. J'ai un peu peur. Non, je me casse. Vas-y, boule de poire. Joue safe. Joue safe. C'est le deuil de cette session qui déclenche des trucs au cerveau. Loclas pétable ou pas? Sachez, j'annonce en exclusivité que mon dernier tweet avant mon opération, ce sera Bonk, stop le zizi. Et mon premier tweet post-opération, ce sera un extrait du Vine avec la meuf qui dit My dick fell off! Voilà. Bon tweet, merci beaucoup. On a le tweet en avant-première. On approuve, merci. Ça me fait plaisir de voir que. Il va marcher. Ah, je workshop toutes les blagues hein, depuis des mois. Go la charte! Avec mes Pokémon, je fais de la belle musique. Je pense que je vais aussi essayer de faire le tweet en exclu une photo de ma chatte avec une photo censurée, tu vois. Et quand tu cliques dessus pour l'afficher, c'est littéralement un chat. Déçu un peu qu'il n'y ait pas eu de Let's Go Vagino. Let's Go Vagino, ce sera pour quand j'irai à l'hôpital. Ah, j'ai un pote d'école archi fan de Resident Evil 4 qui vient de lancer la démo du remake de Resident Evil 4. Je suis contente pour lui. Quelle démo, mes amis. Ça va être incroyable, ce jeu. Je vais t'écraser avec style et élégance. Mmh. Les top dresseurs de la 2G, pétable ou pas? Moi, oui. Je trouve que oui. Mais quoi les mecs, pas les meufs. Putain, ça y est, c'est... Il y a tous les Pokémon de type sol, là. C'est bon. On est dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire. Putain, canard qui fait une remontada. C'est moi où il gagne plus d'XP que les autres. Allez, on y croit, il nous reste un quart d'heure, on peut battre la reine, il reste 17 minutes, on peut battre la reine dans ce laps de temps. C'est possible. Après la Horny Jail, on est à Jadiel dans la Horny Gym. Ouais, mais c'est pas ces top dressers là que je trouve pétable. C'est ceux de la 2G. La 2G originale. Ils ont les cheveux blancs et ils ont un petit bouc. Ils ont une espèce de pantalon pas de def, un peu stylé. Oh putain, Nidorina, tu vas niquer tes morts. Je parlais de leur Pokémon. Ah oui! C'est vrai que. Oh, Nidorina. Pétable ou pas? Type sol de où, putain? J'aurais dû faire choc mental.
Ah, Nidoqueen pétable. Pétable de ouf. Avec les gros touches de Nidoqueen là. Par quatrième forme et type seul. Quatrième ? Ah. Ouais, ouais, je sais, mais genre à chaque fois, tu sais, il y a le truc de. Non, mais Nidorina, Nidorinos. Non ! Ils sont juste des poisons. C'est juste des poisons. Dans ma vie. Bonk ! Bonk Nidorina. Je te passe mon numéro. Quand même. Je perds pas le nord. Je te passe mon 06. J'espère qu'on pourra se capter. Oh bah, on a fini les dresseurs de l'arène. Donc on va aller se soigner. Et on va affronter le champion. Je me demande qui c'est le champion. Peut-être c'est... Il... Elon pétable ou pas? C'est ton père caché. Non, c'est pas lui! C'est pas mon père caché! C'est le père caché de quelqu'un d'autre! J'avoue, il a les mêmes cheveux que Norman. Dans la 3G. Jamais! En vrai, Elon. En 2G. Quand il a eu son Redemption Arc et qu'il est plus sympa. Un peu pétable. Pas de ouf, mais un peu. Le Pokémon numéro 1000 dont le nom m'échappe, pétable ou pas? Alors attends. Pokémon 1000. Pétable de ouf. Comment s'appelle-t-il déjà? Il y a des articles sur on connaît le nom du millième Pokémon. Gros Mago. C'est Gros Mago. Gros Mago pétable, en plus il est riche. Qui est ce dresseur? Il me dit quelque chose. Te voici dans mon repère. Je voulais reformer la Team Rocket ici. Mais tu as encore tout fait rater. Je suis furieux. Et c'est très mauvais signe pour toi. Une fois de plus, tu oses me défier, moi. Le grand Giovanni. Je suis le Batman. Mais aujourd'hui, tu vas le regretter. C'est Macron. Giovanni, il a un peu plus de charisme que Macron, quand même. C'est un meilleur perso. Il a un meilleur chara-design aussi. D'ailleurs, on en parle de... du remake de la 1G qui l'a... qu'il a slimwashé alors qu'il était gros à la base. Oh putain. C'est Gabriel Attal le mec. Gabriel Attal, pétable ou pas? On oublie ses idées politiques. Juste physiquement, pétable ou pas? Pikachu aussi était gros à la base, et oui, je sais. Notre piqueur, il a l'air fâché! Didier au pluriel. Archipas. Ah, moi, je trouve qu'il a un petit truc. Un petit twink, là. Il y a un truc. Il a des yeux que je trouve bizarres, il a des trop gros yeux. Du coup, il a une tête un peu trop infantile. Mais sinon... je dis pas non. Ça va être un combat d'endurance, ça, Nidoqueen. On va changer. On va mettre boule de poil. Ah. C'est pas une boule de poil vol? NON!
Oh putain. Mes voisins ils vont devenir fous à force que je hurle non. Le jeu s'est dit quand même, elle a trop souffert là aujourd'hui. Putain c'est vrai, il a surf, j'avais oublié, j'oublie tout le temps qu'il a surf maintenant. Le jeu s'est dit, elle a trop souffert. On va un peu la réconforter. Ok, je vais soigner Quack, enfin Canard et Boule de Poil. Surtout Canard. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien quand même finir avec Canard. Il a plus besoin d'XP. Ok. Merde. Allez, on peut s'en sortir. On peut gérer ce combat. On peut gagner. C'est pas si dur. C'est faisable. Ok. Oui. Canard. Canard, le goat de cette arène. Il aura porté toute l'arène à bout de bras. Un roi. Un roi dans les cieux. Il vient de gérer un Pokémon 14 niveaux de plus fort que lui. Il lui en reste plus qu'un. Et ça va être son Rhinophéros. Ah non, un Nidoking. Ok. Allez, encaisse. Yes. On va changer. Yes! Putain. Bravo. Bravo Canard, tu es la star du jour. Énervé le Canard. De ouf. Il est très fort. Hein. Je m'attendais pas. Bon, après, il y a eu beaucoup de double type sol roche qui ont aidé. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Grâce au battle terre, tous les Pokémon obéir ont un désordre. Il est la preuve de ta grande maîtrise des Pokémon. Tu pourras ainsi accéder à la Ligue Pokémon. C'est un cadeau que je te fais. Va maintenant. Et deviens le plus grand des dresseurs. Canard le Tchad, de ouf. Un canard vengeur. C'était 26. Le séisme. Cette attaque peut créer de vrais tremblements de terre. Je l'ai inventé il y a bien longtemps. Tu mens. Comment tu mens, gros sac. Chacal. Bon. Quoi? C'était Giovanni le champion? Ben ça alors. Adieu, Sweet Prince. Oh, attends. Arène Pokémon de Jadiel, champion de Giovanni. Vainqueur, Ilon Aline. Ilon Aline. Séisme pour la chiasse, et oui. Et oui, c'est l'heure du séisme pour la chiasse. Non. Une chiasse si colossale que la terre en tremble. Alors. Du coup, on va lui oublier morsure ou dracorage ? Morsure. Séisme pour la chiasse, c'est très poétique. Je suis d'accord. Ah. Bon. On va aller soigner. Putain, heureusement qu'on a... En vrai, au final, Léo, il nous a mis dans la merde, mais grâce à lui, on a eu Boule de Poil et Canard, qui sont des goats.
Donc c'est bien. Maintenant, il va falloir les entraîner un peu. Surtout boule de poil. Bon. Merci YouTube, merci Clément d'avoir suivi cette VOD. On espère que la semaine prochaine ce soit la dernière. Après on aurait préféré garder Big Boy, le de brocoli. Oui bon. Si tu as aimé la vidéo, aime la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un commentaire sous la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la vidéaste et on se verra à la prochaine vidéo. Salut.